thank you Hallelujah. Hallelujah. Thank you God. Merci Seigneur. I bless Merci God for this wonderful day. Je remercie le Seigneur pour ce jour merveilleux. God is so wonderful. Ah, Dieu est tellement merveilleux. Thank you for this retreat. Merci pour cette retraite. Thank you for this time of prayer. Merci pour ce temps de prière. Thank you God for him giving me Merci be here. Seigneur pour me donner l'opportunité d'être ici. En ce the lieu. The to me the Au travers la voix du pasteur pour me sélectionner parmi les prédicateurs, I thank pastor je vous remercie, Pastor, pour toute cette opportunité pour cette opportunité. And I thank God for all the the Et je remercie le Seigneur pour tous les leaders de l'Église. Et je remercie le Seigneur pour ma sœur Nicole. Being here, together we're serving the Lord. Alleluia. Et ensemble, nous servons le Seigneur. Alleluia. Je bénis le Seigneur. We are in the same title, our same scripture, nous sommes dans les mêmes écritures, dans le même titre, in the book of dans le livre de juges 15, Chapitre 15, verset 18. 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis Amen. Ce passage merveilleux a été expliqué et parlé par plusieurs prédicateurs merveilleux dans cette église. Many has been said here. Plusieurs choses ont été dites ici. By the grace of God, Mais par la grâce de Dieu, we are going to say also something today. nous allons également dire quelque chose aujourd'hui. Nous vous bénissons, vous qui nous suivez de loin. Through your TV, your cell phone. Au travers de votre télévision ou bien votre smartphone, May God bless you and que stay Dieu connected. vous bénisse et restez connecté. Amen. Amen. When I read this word, this text, Quand je lis ce, cette écriture, ce texte, text Je comprends que cette écriture parle de la prière. So through this text alors au travers de ce texte I'm going to use only two paragraphs. je vais utiliser uniquement deux paragraphes the one, le premier samson 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 avait besoin d'eau et il invoqua l'éternel et le deuxième paragraphe serait tomber entre les mains de l'ennemi. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce And moment merveilleux. Me. Je te bénis pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui. Us je, je prie Seigneur que tu puisses nous utiliser use pour ta me, gloire. Utilise-moi, utilise ma soeur. Use that that utilise tout le monde qui est connecté. Us, Parle au travers de Reveal nous, Papa. révèle nous le chemin. Bible you La Bible sent le dit your way And the word healed them. La Bible dit Tu nous envoyas ta parole et ta parole nous a guéris. Heal our hearts. Guéris nos cœurs, Heal our guéris nos âmes, Heal our guéris notre intelligence, Heal nos our pensées, life guéris nos vies In the name of dans Jesus. le nom puissant de Jésus-Christ. Prends, Prends la place au-dessus de tout In the name of Jesus. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. When we speak about prayer, Lorsque nous parlons de la prière, tout le monde prie. Tout le monde prie Our president prays Notre président prie notre président prie the king prays. Le roi prie The pagans pray Les païens prient Everyone pray Tout le monde prie In fact prayer is just a communication between a man and a spirit En fait la prière c'est juste la communication entre un homme et un esprit And in prayer we can find prayer is being used in Kind of religion in the world. Et dans la prière, nous pouvons trouver que la prière est utilisée dans toutes les sortes de religions au travers le monde. The Hindus pray. Les Hindous prient. The pray. Les Bouddhistes prient. Les Bouddhistes prient. Les Musulmans prient. The pagans pray. Les païens prient. Malgré que leur système de prier est différent du nôtre, We are Christian. Nous sommes chrétiens. Notre façon d'invoquer le Seigneur est différente des autres personnes. Mais tous, nous avons un outil commun qui est la prière. Prayer. La prière. Which is simply a communication between man and spirit. qui est simplement une communication entre un homme et un esprit they can be God, ça peut être un dieu or they can be Satan. ou ça peut être Satan But it's a way of communication. mais c'est un moyen de communication et nous devons savoir qu'il y a différents types de prières aujourd'hui je vais parler juste de cinq types et il y a aussi ce que nous appelons Different in Il y a aussi ce qu'on appelle les différentes dimensions dans la prière. The five the five types of prayer. Les cinq types de prière. Le premier, c'est euh, louange et adoration. And the second is the petition prayer. Le deuxième, c'est une prière de supplication, de pétition, no. de supplication. De, de demande. De demande, oui, une prière de demande. And the third is the prayer of forgiveness. Et le troisième, c'est la prière du pardon. And the fourth is the thanksgiving prayer. Le quatrième, c'est une prière de reconnaissance, de remerciement. And the, the fifth is, um, spiritual warfare prayer. Et le cinquième, c'est la, la bataille spirituelle dans voilà. la prière. Je vais parler de la louange et l'adoration. The Bible says, la Bible dit God dwells among the praise. que Dieu siège au milieu de la louange. When there is the praise, Quand il y a la louange, God comes in. Dieu vient. Dieu siège au milieu de la louange. In other prayers, Dans d'autres prières, God doesn't come and dwells. Dieu ne vient pas siéger. C'est c'est seulement écrit In the book of Proverbs, 22, dans le livre de Proverbes, pardon, Psalm, chapitre 22, verset 3. 3. That God dwells que Dieu siège amongst the praise. au milieu de la louange. Ça signifie que lorsque nous louons le Seigneur, Dieu vient, il descend. Je ne dis pas que les autres prières ne sont pas importantes. Toutes les prières sont importantes. But mais. In the and prayer, Mais dans la louange, dans la, dans la prière de la louange et de l'adoration, nous parlons plus de Dieu. Amen. Because in worship and prayer, I say, God, you are wonderful. Je dis, Dieu, tu es I say, God, you are powerful. Je dis, Dieu, tu es there, is no like, there is no one like you. Il a qui soit comme toi. You are the highest God. Ah, tu es le Dieu élevé. There is nothing that you can fail to do Il in this world. I ce worship monde. the most high God. Je, J'adore le Dieu puissant, le Dieu, Messiah, le Dieu élevé. J'adore le Dieu élevé. Ce n'est pas à propos de it's moi, about, about mais c'est à propos de lui. But when I As for forgiveness, Mais quand je demande pardon, c'est à propos de ma vie. When I bring my lorsque j'apporte ma reconnaissance mon warfare, ou bien lorsque je suis dans la bataille spirituelle, c'est à propos de ma vie. So, and Alors la louange et l'adoration est différente des autres prières. But I didn't say it's more powerful than others. Mais je n'ai pas dit qu'elle est la plus puissante que les autres. God dwells Dieu siège among worship and prayer. dans la louange et dans la prière. The Bible says, la Bible dit in the book of Acts, chapter 16, verse 25, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25. Quand Paul et Silas étaient en train de chanter et louer, The Bible says, la Bible dit il y avait un tremblement de terre. And the foundation of the prison et la fondation de la prison was shaken. était en train de trembler. All the chains was broken. Toutes les chaînes ont été brisées. Alléluia. Ils étaient juste en train de chanter et de louer. Parce que ce principe apporte Dieu. Parce que le fait God, God parce, comes. parce que le fait de louer le Seigneur le fait descendre. So when God comes down, Alors, quand Dieu descend, were a earthquake. il y a eu un tremblement. The fact of the a earthquake, le fait qu'il y a eu un tremblement, it simply mean, ça signifie simplement he comes down. que Dieu est descendu. Alléluia. According, according parce qu'il siège là. À chaque moment que nous le louons, he comes down. il descend. And when God comes down, Et quand Dieu descend, no one will tell you that he here. personne ne va te dire que Dieu You're est là. Gonna feel it. Ah, tu vas le sentir. Because the chain will be ah, broken. Tu vas le sentir, les chaînes vont seront brûlées. Alleluia. Amen. The burden will be lifted out. you You'll feel peace in you. Tu vas la paix en toi. When we adore God, quand nous le When Seigneur, we praise Him, You feel that He is here. Ah, tu peux est là. When something will go out, because whenever que chose whenever it comes down. quand Dieu descend, il change toutes choses. Alléluia. Quand Dieu descend, the same. Ah, il n'y a plus rien qui reste le Paul même. And Silas Paul et Silas did not pray, God, remove the chains. ne disaient pas, Seigneur, enlève les chaînes. But when he comes down, Mais quand il est descendu, the Bible said the broken. la Bible dit que les chaînes ont été brisées. Alléluia. So ah, Dieu est merveilleux. Praise God. Oh, Oh, Louez-soit Dieu. L'adoration. You know, Nous ne pouvons pas séparer l'adoration et le sacrifice. In the whole time, Dans les temps anciens, whenever the people were going to worship God, quand les gens allaient pour adorer Dieu, they were bringing a ils apportaient un sacrifice. Sacrifice et worship. Le sacrifice et l'adoration, ils sont ensemble, ils sont liés. Sacrifice Le sacrifice the divinity. Apporte, euh, pardon, attire la divinité. That is a ça, c'est un principe spirituel. Et ça agit même dans les lieux, dans, dans, les, dans les ténèbres. Même so même les sorciers, they use the same ah, because, ils utilisent le même principe spirits, dans, dans, dans l'esprit, dans le monde spirituel. There is no in the Il n'y a pas de différence en ce qui concerne les principes, mais ils l'utilisent de la mauvaise façon. Like C'est comme nous, les, les personnes physiques. Le principe de la nature. La prince, les principes de la nature is the cell, is the same for sont les mêmes pour tous. You can be white or black. Tu peux être blanc ou noir. Nous avons les mêmes principes de la nature. Nous avons froid, il pleut. You throw up, gonna come down. Si tu jettes quelque chose euh, au-dessus, cela descendra. No color, Chinese, of Quelle India, que soit ta couleur, que tu sois chinois, que tu sois indien. So natural principle works for Alors les principes naturels, euh, ils sont là pour tous. Ils That, agissent pour tous. Et les principes spirituels agissent également pour tous les esprits bons ou mauvais. L'adoration marche de pair avec le sacrifice je vais je vais vous donner euh, un passage mais je vais quand même l'expliquer d'abord avant le sacrifice je veux offrir à dieu d'abord je dois construire un, un autel. parce que selon dieu tu ne peux pas offrir un sacrifice sur le sol tu dois construire, ériger un hôtel. L'hôtel sans le sacrifice n'a pas de valeur. Et un sacrifice ne peut pas être utilisé sans qu'il y ait un hôtel. Je ne parle pas aujourd'hui de l'hôtel, mais je parle du sacrifice aujourd'hui. Le sacrifice attire la divinité. The Bible says La Bible dit, in the book of Proverbs, Dans le livre de Proverbes Can you read this uh, yeah. 18 verset 16 Proverbes 18 The Bible says Gift open doors La Bible dit que les présents ouvrent les portes On va lire dans Proverbes 18 16 18 16 16 Which verse Proverbe 18 16. Ah 18 16, yeah, sorry. Proverbe 18 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ: Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Alléluia. A present or a sacrifice. Les présents ou un sacrifice. Open doors. Ouvre les voies. To you to be with great people. Ouvre le voie d'être avec des, des grandes personnes, avec des personnes grandes. You see when here in the natural Là, dans, dans le naturel. When a certain president go to another president, si, quand un président va visiter un autre président, they bring ils, a, a gift. ils apportent toujours quelque chose comme cadeau, comme Even présent. The Bible, Même dans la Bible. Lorsque la reine d'Égypte est venue visiter le roi Salomon, elle a apporté quelque chose. Gift open les présents élargissent les voies. Alléluia. Donc, When we come to God, Alors, quand nous venons à Dieu to worship him, pour l'adorer, nous devons comprendre the sacrifice le sacrifice attire, attire la divinité. Lisons la Bible dans le livre de Genèse 22, verset no. 5. Ah, 22 au verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Six. Six. Seven, huh? yeah. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste uh, Cinq, s'il vous plaît. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer. Allo. Until way, until day. Abraham, said to the servant, Abraham a dit à ses serviteurs, Remain here, restez ici. Lorsque moi et le Fils, nous allons pour adorer. While Abraham knew that the sacrifice Lorsque Abraham savait que le sacrifice, c'était son Fils. Parce que nous ne pouvons pas aller pour adorer le Dieu très haut sans sacrifice. In verse seven, dans le verset 7, l'enfant ne savait pas qu'il était le sacrifice. Mais il savait que selon les coutumes, lorsque nous allons pour adorer le Très-Haut, nous amenons toujours un That's sacrifice. C'est pourquoi il a demandé à son père father, you say we are going to worship. Papa, tu as dit que nous allons pour adorer. But is the mais où est le sacrifice, the sacrifice is always there where we Le are sacrifice worshiping doit toujours être là lorsque nous allons adorant le Seigneur. Le sacrifice, bring God's presence le among sacrifice his people. attire la présence de Dieu dans son peuple. Parmi son peuple. Nous ne pouvons pas séparer le sacrifice de l'adoration. Nous ne pouvons pas séparer le sacrifice de la louange. 1 Samuel 1, 23. 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Finé, sacrificateurs de l'éternel. 4, s'il vous plaît. From 1 to 3. From 1 to 3. À partir du premier verset. Oui. Uh, Lorsqu'on parle qu'il avait apporté un sacrifice pour adorer Dieu. Verset 3. Verset 3. Voilà. Le jour où elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Nous devons faire un peu attention. Les the, 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 the forces en français et en anglais diffèrent de... Uh, ah, parfois, quand je dis 3 en anglais, c'est 4. En français, oui. oui. Euh, Désolée, parce que la version en anglaise et la version française sont un peu différentes. Lorsque je dis 3 dans la version anglaise, des fois, c'est 4 dans la version française. Voilà. 4. Yeah. Donc, 1 Samuel 1, verset 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Um, so La Bible dit Elkanah, went to worship God. Elkanah est parti adorer Dieu. And was going to God, Alors qu'il partait pour adorer Dieu, he the sacrifice. il a apporté un sacrifice. In, my version, in verse 3, it says, dans ma version, euh, au verset 3, year after year, année après année, this man went up from his town, township, cet homme partait de sa ville, and from his town to worship and sacrifice. Ah, cet homme partait de sa ville pour aller adorer dieu avec un sacrifice. for a custom, dans la coutume, they were always associating worship. And sacrifice. Ils associaient toujours l'adoration et le sacrifice. And today we are not going to sacrifice an animal. Aujourd'hui, nous n'allons pas sacrifier des animaux. Sacrifice can be your life, le your sacrifice body. peut être ta vie, ton corps. Le sacrifice peut être le temps que tu donnes When à Dieu. We God, Lorsque nous adorons Dieu, Is there new that God? il y a quelque chose de nouveau qui attire Dieu. Really Est-ce que tu es Pure pour attirer Dieu dans ta Because vie. The Parce que le sacrifice attire la divinité. Alléluia. Louange et adoration. C'est un type de prière. The second type of prayer. La, le deuxième type de prière. Alleluia. Alleluia. The time is so small. Ah, le temps nous fait défaut. Alléluia. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est la prière de pardon. When we remember that you have done something wrong, ah, quand tu te rappelles que tu as fait quelque I chose de mal, tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et je prie. And the third one, Et la, le troisième type de prière, petition prayer, la prière de, de demande. C'est quand on demande à Dieu, guéris-moi, aide-moi, donne-moi ceci. C'est aussi un type de prière. The fourth type of prayer Le quatrième type de prière, c'est la prière de remerciement. Je viens prier et je dis à Dieu merci pour l'enfant que tu m'as donné merci pour la maison que tu m'as donnée et la dernière prière il y a différents types de prières mais j'en ai choisi cinq ce sont les cinq types de prières que nous faisons et la, le cinquième type de prière c'est la bataille spirituelle où nous chassons les démons. Alléluia. Nous prions et nous leur ordonnons de quitter I'm, nos vies, notre going chemin. To fly. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais encore dire quelque chose parce que nous avons besoin de temps pour prier. So we're going to fly. Alors, on va, on va voler. On Amen. va aller rapidement. Alléluia. Samson. Samson a, petition prayer. a utilisé une prière de demande. God, Dieu, I'm very tasty. je suis pressé par la soif. And he for water. Et il a prié pour demander de l'eau. So Nous comprenons that a of que la prière de Samson was a to a need. était une réponse à un besoin. S'il n'avait pas besoin d'eau, il n'allait pas prier. Fighting, Parce que quand il était en train de se de combattre, God, to, to, to il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à tuer ces gens. Non. Il a compris que ça, je peux le faire. So, that you can do, Les choses que tu peux faire, faites-le. I'm impossible to do. Mais les choses que tu penses qu'elles sont impossibles Que tu puisses les faire Then you call up on God. Alors invoque Dieu Des fois nous prions, nous invoquons Dieu Pour des choses que nous pouvons faire nous-mêmes Oh Dieu donne-moi un travail Et je reste à la maison, je ne cherche pas de travail job will come here. Oh le travail viendra, il me suivra Tu as go pieds, look for un travail va chercher un travail. Alléluia. Samson, Samson a invoqué le because Seigneur he need something. parce qu'il avait besoin de quelque chose. Alléluia. Je voudrais ouvrir les parenthèses pour dire quelque We chose. Know prayer faith. Vous savez, la prière demande la foi. Oh Alléluia. Certaines personnes prient à Dieu. God, give me this. Dieu donne moi ceci. While they are always, they are in their mind having a plan already. Lorsque dans leur, dans leur pensée, they have, they have a plan that if God did not give, I will go to ask this one, to ask that one, or to do this. Lorsque dans leur tête ils ont déjà un plan B, ils disent que si Dieu n'agit pas, je vais aller vers telle personne pour lui demander ceci ou vers telle autre personne pour lui demander cela. Où est la foi Parce que quand nous prions selon la, selon we la Bible, are waiting to give that things. nous attendons d'avoir cette chose. Mais comment est-ce que tu peux prier pendant que tu penses déjà à une solution pour ce que tu es en train de demander God, Oh Dieu donne-moi une femme But while I still living with somebody else, Mais lorsque je suis déjà en train de vivre avec quelqu'un d'autre Je ne comprends pas ce genre de prière anyway, the Bible says, La Bible dit Samson, to God, Samson a invoqué and Dieu God to him. Et Dieu a répondu, lui a But répondu Une chose qui fait de la prière de Samson strong, euh, forte, qui because, rend la prière de Samson forte. Parce qu'il était en alliance avec Dieu. Alléluia. Nous savons dans le chapitre 13, God, quand Dieu, l'ange de Dieu, vient. The wife of Manoah, Lorsque l'ange de Dieu est venu vers la femme de Manoah, he says, you don't have a child. il lui dit, tu n'as pas d'enfant, je vais te donner un enfant. Because covenant is made by promises and conditions. Parce que l'alliance la, est, fait, est faite de promesses et de conditions. I'll do this for you, je ferai ceci pour and toi. You're gonna do this for me. Et toi, tu feras cela pour moi. Exode 19, verset 3. The Bible says, la Bible dit, if you obey me, si tu m'obéis, je te donnerai ceci. Ça parlait de l'alliance du peuple de Dieu. If you obey, that was when they, they out of Egypt. C'est pourquoi lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. God was making a new covenant with them. Dieu avait fait une nouvelle alliance avec eux. If you obey me, si vous m'obéissez, ça c'est une condition. I will do this, I will bless you, je I will Je ferai give ceci, you the land. je vous bénirai, je vous donnerai la terre. Alléluia. So, Samson, alors Samson, our mother did not have a child. Euh, la, sa maman n'avait pas d'enfant. Et l'ange lui a I'll dit a Je te donnerai un enfant, chance, mais cet enfant, the moment of your du moment qu'il sera dans ton ventre, to tu ne wine. vas pas boire la bière ou du vin. Et tu ne vas pas manger des animaux impurs. Judge 13. Juge 13. Et pour. pour euh, pour Samson, ses cheveux ne doivent pas être coupés. D'une autre façon, je te donnerai un enfant avec la condition que tu respectes ceci, ceci, ceci. So Alors, Samson... Was in Sam, Salom, Samson was in covenant with God. Alors, Samson était en alliance avec Dieu. You know, when we are in covenant with God, Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, we are in peace. nous sommes en paix. Alléluia. Parce que l'alliance avec Dieu give me an assurance to say, a donne à un homme l'assurance de I dire am not alone in this battle. Ah, Je ne suis pas seul dans cette bataille. When I am fighting, Lorsque je me bats, there is somebody that is il y a quelqu'un qui to est me. près de moi, qui Alleluia. est avec moi. Alléluia. Je sais quand je pleure. Je sais que lorsque je pleure, il, il viendra, il descendra. Dans le livre de Genèse 12, verset 3, la Bible dit Il dit à Abraham I'll bless those who bless you. Je bénirai ceux qui te béniront, I'll those who you. je mentirai ceux qui te mentiront, tes ennemis seront mes ennemis. So God with me Alors, Dieu avec moi make me a, powerful person. a fait de moi une personne puissante. I know Alors, lorsque je prie, I know I'm praying not alone. je sais que je ne prie pas There is somebody interceding Il y a quelqu'un qui est avec moi. Is that is next Il y a quelqu'un qui est près de moi. L'alliance avec Give Dieu me, an assurance ah, me donne l'assurance de paix to say, de dire que je suis en trouble. C'est vrai. Je suis dans des problèmes, c'est vrai. Mais je ne suis pas It's seul. Il y a quelqu'un qui assure It's mon arrière. Il y a quelqu'un qui me supporte. Somebody that is with me. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Et son nom c'est Dieu. Alléluia. So à cause du temps. Develop the second part. Je ne peux pas uh, développer la, la deuxième partie, that faute say, de temps. It, um, ah. ah. Let's go. <laughs> Encore 20 minutes de plus, je salue <laughs> Merci, Seigneur. You know, L'alliance. Give us confirmation. Nous donne la confirmation. Even though I'm stepping in the Uh, David, says, When I'm walking David dit, lorsque je marche in the valley of shadow, dans la vallée de l'ombre de I'm la not mort, of anything. Ah, je n'ai peur de rien, je ne I crains know rien, parce que me. je sais qu'il y a quelqu'un avec moi. Jesus said to Peter, Jésus a dit à Pierre, I can call my father, we'll send 10, angels. je peux appeler mon père et il enverra dix mille anges. We have to be sure that nous we... devons être sûrs que nous ne sommes pas seuls. Solomon Sorry. Salon, uh, Samson knew ah, Samson savait, savait qu'il n'était pas seul. C'est la puissance de l'alliance. Dieu a dit à Abraham enemies Tes ennemis seront mes ennemis. Ceux qui te béniront, I shall bless je les bénirai également. Vous savez, certaines personnes sont bénies uniquement parce qu'elles vous bénissent. Vous méritez un chrétien. You marry somebody that is a Christian? Ah, tu rencontres quelqu'un qui est chrétien? And you marry her? Sorry? You marry her? Ah, et tu l'épouses. Alléluia. Et l'épouse de cet homme est en alliance avec Dieu. So because you do good to her, parce que tu, fais, tu lui fais du bien. And she is in covenant with God, et elle est en alliance avec because Dieu. Said, Those who bless you, I shall bless them. Parce que Dieu a dit que ceux qui te béniront, je les bénirai. So également. You are blessed because of me. Alors tu es béni à cause de moi. Because I am in covenant with the parce que je I suis got. en alliance avec le Dieu très haut. Oh, L'alliance me donne l'assurance de not dire. Que je ne suis pas seul somebody with me il y a quelqu'un avec moi This name is God et son nom est Dieu you know the bible says vous savez la bible dit on va le lire uh, Genesis chapter 21 dans le livre de Genèse 21 I think from 14. à partir du 14e verset a moment speaking about Aga, parler d'autre ah parler d'Agar Genèse oui. Genesis 21 Fortune. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui, éleva la voix et pleura. Alléluia. Amen. Yeah, go again down? Down? Yeah. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit Qu'as-tu, Agar Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, Until car there. je ferai de lui une grande nation. Alléluia. Amen. Bible says, la Bible dit Abraham took the child Abraham a pris l'enfant et sa maman et les a renvoyés parce qu'ils ne voulaient pas euh, partager les avoirs d'Abraham avec Isaac. dans le désert they were tasty. ils étaient assoiffés no, l'eau était finie now what shocked me of, of what What touched me in Alors this verse, ce qui m'a touché dans ce verset Si tu le lis clairement, la Bible dit L'enfant Ismaël Ishmael, Il dormait quelque part and the mama says, Et la maman a dit Je ne vais pas rester ici et voir comment mon enfant he va went mourir away, Elle est partie and he Et elle a prié She cried to God. Elle a pleuré devant Dieu You know Bible À propos de, de des pleurs dans ce livre on dit que, Sal, Samson, Samson. que Samson a invoqué. Samson, Salomo. Salomon, yeah, in English they, he cried out. La, dans la Bible on dit il a pleuré, il a crié. So, here the woman cried to God. Et ici la femme elle a crié à But Dieu. The answer God says mais la, la réponse de Dieu dit. L'ange la, dit. J'ai entendu les pleurs de l'enfant. Oui. Mais qui a pleuré devant Dieu? Est-ce que c'était l'enfant ou bien c'était la maman? Pourquoi est-ce que Dieu dit j'ai entendu les pleurs de l'enfant plutôt que de dire j'ai entendu tes pleurs à toi la, la maman Agam? Parce que l'enfant était l'enfant d'Abraham. Abraham was in the covenant with God. Et Abraham était dans l'alliance avec Dieu. Have a blood of Parce que l'enfant avait le sang d'Abraham. So Alors, l'alliance la, la, fera de toi un héritier. To be heard. Ah, l'alliance fera que tu sois entendu par Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu a dit J'ai entendu les pleurs There de l'enfant. Et il a besoin d'eau, voici l'eau. Et l'enfant est en train de dormir. Oh, God is so wonderful. oh Dieu est tellement merveilleux. Nous allons à la prochaine partie. Et puis nous allons prier. Alléluia. Merci Dieu. The part says, la, la, la deuxième partie dit don't let Me, me laisserais-tu tomber dans les mains de mes ennemis David, says, David dit, dans le livre de 2 Samuel, yes, sure. Samuel 24, 2 yeah. Samuel 24, à partir du 16e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se répandit de ce mal » et il dit à l'ange qui faisait périr non, le Non non, 24 14. 14, 14. 24 à partir du 14e verset. David répondit à Gad: Je suis dans une grande angoisse, Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Amen. David said to God, I said to God. David a dit à Gad, c'était un prophète de Dieu. David a péché contre Dieu. Et Dieu dit, je te punirai. Il a envoyé un prophète pour dire à David, je te punirai. Et il a dit à David, tu dois choisir quel genre de punition que tu voudrais. Uh, 2014, you're gonna see all the history. Si tu lis Si vous lisez à partir d'un peu plus haut Vous verrez toute l'histoire alors, to alors David a, a God, dit à Gad Le prophète Il lui Il a dit il vaut mieux que je tombe dans les mains de Dieu God is Parce que Dieu est plein de compassion Il va me punir But he's also going to have a for me. Mais aussi il aura de la compassion pour But moi. It is bad Mais c'est mal. To fall into the hand of the de tomber dans les mains de l'ennemi. Parce que tes ennemis. Have no mercy about you. Ah, ils n'auront pas pitié de toi. And we have to the one here, Et nous devons comprendre qui parle ici. Il était le, le commandant chef de l'armée. Il, il était le général de l'armée. Ils savaient ce qu'on fait à un ennemi que l'on attrape pendant la guerre. They will ah, on va te torturer ah, on va couper tes doigts on va te punir on va te faire souffrir says, il a dit Dieu don't let me to fall into ah, the ne me laisse my pas enemies. tomber dans les mains de mes ennemis Samson, Samson a dit Dieu don't let me to fall into ne the me laisse of my pas tomber enemy. dans les mains de mes ennemis les philistins s'ils si m'attrapent ils, ils vont me tuer And Satan et Satan is our enemy. est notre ennemi. You know Est-ce que vous savez que Dieu peut nous abandonner dans les mains de nos ennemis? It's when we sin against him. lorsque nous péchons contre lui. The Bible says, La Bible dit les de Juda les, les, le peuple de Juda, so ils ont tellement péché devant Dieu. And God says, Et Dieu dit He send them to, in exile, into Dieu les a envoyés en exil en Babylonie for 70 en baby years. Ba pour Babylon, yeah. Sorry. Yeah. For, for? 70 ans. Pour 17 ans. 70, 70, years. 70, 70 years ans. 70 ans de Daniel. Oui. Yeah, yeah. Alléluia Alleluia. Dieu les a envoyés dans l'esclavage. Jérusalem, Jérusalem the whole city of God La cité de Dieu was empty, était vide. Left without no one. Il n'y avait personne. Everyone was taken out of Jerusalem. Tout le monde a été sorti de Jérusalem. The wall of Jerusalem, the wall le, les murs, les murs de Jérusalem était détruit. The business was down. Il n'y avait plus de business, people plus d'affaires. Les gens étaient forcés de the quitter Jérusalem. Les femmes ont été violées. Many were Plusieurs personnes ont été tuées. Well, God, Lorsque le peuple pèche devant Dieu, he into the hand of their ah, il les donne, il les abandonne dans les mains de leurs ennemis. Si Dieu te laisse tomber dans les mains de tes ennemis, that is a s la mauvaise chose david, david ditque je tombe dans tes mains a dieu parce que tu es plein de compassioncs Dieu peut nous laisser tomber lorsque nous pêchons. Et nos ennemis peuvent nous contrôler. Comment tu peux savoir que Dieu t'a abandonné et t'a laissé tomber dans les mains de tes It's ennemis? Lorsque toute chose que tu essayes de faire ne marche pas. Psaume 41 verset 11. The Bible says, La Bible dit: "For now I know." Maintenant je sais. que tu ne m'as pas abandonné dans les mains de mes Because ennemis. You did not let me let them to triumph over me. You can read it. Yeah. On va le lire. So the parable here, is speaking about God, uh, David says, I know that you did not let me. La David dit, je sais que tu ne m'as pas laissé tomber. Because I'm still winning. Parce que je suis toujours en train de gagner. Mean, il disait simplement when you start losing battles, Lorsque tu commences à échouer dans les batailles, when the is not working, lorsque le mariage ne, ne marche plus, working, lorsque le travail ne marche when plus, the health, you are sick, lorsque ta santé ça ne va pas que tout le temps okay. il y a quelque chose qui n'est pas ok. Alléluia. Cela of signifie enemies. que Dieu t'a abandonné dans les mains de tes ennemis. Chapitre 41, verset 11. 41, 11. Psaume 41, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toi, éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. peut 12. 12. 12. English, Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alléluia. Hallelujah. Je connaîtrai que tu es avec moi parce que tu n'as pas laissé les ennemis triompher de moi. Et Paul dit J'ai entendu des choses telles que l'immoralité sexuelle dans l'église, où les gens s'endorment avec des The wife of their, their father. Lorsque les, les, les hommes couchent avec les, les la femme de leur père. For such kind of people. Pour ces, ce genre de personnes. Je serai ensemble avec votre esprit. And such kind of person, Et ce genre de personnes. Let us leave him into Satan. On va les abandonner à Satan. God can Dieu peut nous laisser tomber dans les mains de nos ennemis lorsque nous péchons. Et Satan n'aura pas pitié de toi. It will really damage. Ah, il va, il va te détruire. So it's very important for us Alors, c'est important pour nous to fear God. De, de craindre Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Ask you Je vais vous demander. To stand up de vous mettre debout. Même vous qui dormez peut-être dans votre lit en ce moment, si tu conduis, est-ce que tu peux t'arrêter un moment? We are going to pray. Nous allons prier. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer quelque Because chose avant qu'on prie. Prayer, parce que cette prière, je vais l'appeler la prière de représentation. Alléluia. Tu vas prendre quelque chose que tu as avec toi and you name it. et tu lui donnes un nom. Et ton problème, et ton problème, that can be a sickness. ça peut être une maladie, ça peut être ta famille, ça peut être tes enfants. Ah, tu donnes un nom. Un problème pour lequel tu as besoin d'une solution. Tu donnes à ce problème un nom. Now the prayer we're gonna do, et la prière que nous allons faire you speak to that problem. tu parles à ce problème Alléluia si c'est le mariage tu parles, tu l'appelles si c'est la famille you call protection upon it. tu appelles le potentiel ça tu vas prier par rapport au problème que tu as d'abord tu dois nommer cette, cette, ce problème c'est écrit dans le livre c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel yeah. 4, From one. à partir du premier verset. Nous allons From. le lire. Ézéchiel 4, à partir du premier verset. Yeah. Et toi, fils de l'homme, prends une brique. place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem représente la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Amen. Amen. God takes, God says, Dieu dit, take a bricks, prends une brique and call it Jerusalem. et appelle-la Jérusalem. Parce que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Prends une brique. Appelle-la Jérusalem. Take my Bible, je prends ma Bible. And I call it my family, et je l'appelle ma famille. I call it my je l'appelle mon problème. So I'm going to speak to et this je vais problem. parler à ce problème. C'est une prière de représentation. On peut aussi la prière de contact. Ah, nous pouvons aussi l'appeler le point de contact, la be, prière de point de contact. Dans certaines, euh, le diable, le diable utilise également les mêmes principes. Dans le monde spirituel, pour ceux qui adorent le diable, they can have a piece of your ils peuvent avoir une pièce de ton vêtement and they say, This is you. et ils disent, ça c'est toi, ou ils peuvent faire quelque chose. Ou bien ils peuvent faire une représentation. Et ils disent such Ça c'est telle personne. This Sylvia. Ça c'est Sœur Sylvie. Et, Sylvia. Et ils parlent contre la Sœur Sylvie. Sylvia is, Et là où Sylvie est, elle sera affectée par ce que cette personne est en train so de dire. Say, Alors lorsque tu dis Ceci est ton don't problème, a, ne vois pas cela comme la Bible. C'est ce que tu touches. être un bouquin. C'est un bouquin. La Bible anything. est ce que tu touches, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton téléphone, ça peut être un stylo, ça peut être n'importe quoi. Nomme-le. Dieu dit, prends une brique et appelle-la Jérusalem and lie there. et dessine dessus. Alléluia. Et lorsqu'il était en train de dessiner dessus, the prophet of God, le prophète de Dieu, as you doing this you are doing as in what you are doing right now will happen in jerusalem as a city. dans la cité de Jérusalem you know problem, tu connais ton problème you know ma sœur. tu connais ton problème We mon frère nous allons prier dans le nom de Jésus est-ce que tu as déjà nommé ton problème est-ce que tu as déjà nommé ton problème est-ce que tu as quelque chose dans I ta main je voudrais que tu pries tu peux l'appeler si c'est une maladie tu peux la chasser you say, tu dis toi maladie my life. De ma vie. If this is a, a job, si un travail, you call it to come. Ah, tu l'appelles à venir and dans you ta come vie. To you Et cela If toi. you believe in God, si tu crois en in Dieu. the name of Jesus, we de are non going non to pray. Jesus Father, in the name of Jesus, I'm praying. Lord, Et Et Lord. yeah, ma, 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 I call my family. No one will be able to touch my house. No, no, no one Jesus will be Christ able, able to touch my house. My family is secure by the blood of Jesus. My children are secure by the blood of Jesus. My job is secure by the blood of Jesus. You are my job. Oh, no travail. one will take you away Personne from me. You are my family. Toi, no one will take you away from Personne me. I will have you moi. with me. Oh, famille, je In the name of Jesus, oh, Christ. Jesus Christ. You are my job. Toi, God to protect my job. Oh, viens you mon are my house. Ma I call my house to come. Ma In the name of lui. Jesus Christ. Oh you oh, are the trouble. I cast you away from my life. In the name of Jesus Christ. I will present you to oh, Je te That's my problem comme mon from today on you are not going to disturb me, tu ne vas plus me from me today on you are not going to stand on my way tu ne vas pas te I tenir sur you mon out of my way in je the name, name of Jesus I you far from me je te in the name de of moi. Jesus Christ of Nazareth Christ. yeah father I pray oh, Père, I command you problem je te command I command you mountain out montagne, of my way out of my way out of my way De mon in the name of Jesus. Sickness, of my way Out of my way the name of Jesus. In the name of Jesus. Christ, christ. Failure Out of Échec. my In the In the name chemin. of Jesus. I just name of Jesus. christ the name of In covenant name God Jesus. Je in In this trouble Dieu. not alone je je name je 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 que Jesus.

Oh Seigneur, tu es grand. Alléluia. Père, tu es grand. Hallelujah.